Il s'agit d'un pavé de la rue des Airs et d'une grenade lacrymogène qui ont été ramassés par mon prédécesseur de l'époque qui s'appelait Jean-Paul Avisseau. Il a mis un petit papier, permet d'identifier, sur lequel il a écrit « Pavé aux grenades lacrymogènes, ramassé rue des Airs le lendemain de la nuit des barricades bordelaises, le samedi 25 mai 1968 ». Il les a placés dans une des bibliothèques de son bureau, il les a cachés en quelque sorte derrière des livres. Alors, je pense en fin 2013, j'ai découvert ce sac en papier. J'ai ouvert le sac et c'est là que j'ai découvert cette grenade et ce pavé en fait.